Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite routine très courte d'une dizaine de minutes à faire dans ton lit le matin ou le soir avant de te coucher au choix. Alors, je t'invite à démarrer dans une posture assise, confortable, les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. Ferme les yeux, relâche bien tes mâchoires. On va commencer par prendre trois respirations nettoyantes. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche. À nouveau, inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une fois. Très délicatement, viens rouvrir les yeux, entrelace les 10 doigts, inspire, ouvre les bras vers le ciel. Expire, arrondis le dos, ramène le menton vers le cou, pousse les mains vers l'avant, laisse vraiment le bas du dos complètement s'arrondir. Inspire à nouveau, ouvre. Expire, ferme doucement. Les mains qui poussent vers l'avant, la tâche de soutien-gorge qui pousse vers l'arrière. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire doucement, relève. Expire, relâche les mains des deux côtés. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel et viens te pencher légèrement vers le côté. Les bouts des doigts de la main gauche sur le lit ou la main à plat, le coude peut se plier. Regarde vers le lit. Inspire, remonte le bras un petit peu. Qui s'ouvre vers le côté, expire, ouvre-le vers l'arrière. Détends bien tes deux épaules. Inspire, amène le bras, puis remonte le bras gauche. Expire, ouvre en torsion la main gauche à l'extérieur de la main droite et la main droite derrière toi. Essaye de bien allonger le dos à l'inspiration et à l'expiration. Laisse tes épaules se tourner. Les épaules bien détendues. Tu dois sentir que ça tire au milieu du dos. Inspire, amène les deux bras vers le ciel. Expire. Cette fois-ci, on va de l'autre côté. Main droite sur le sol et viens te pencher vers la droite. Le regard vers le lit. Le coude qui se plie éventuellement. Inspire, laisse le bras s'ouvrir vers la gauche et vers l'arrière. Détends bien les épaules et laisse vraiment ton buste s'ouvrir. Inspire, remonte le bras droit également vers le plafond. Expire, ouvre vers la gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Détends bien les épaules. À l'inspiration, tu te grandis, tu pousses le crâne vers le ciel et à l'expiration, tu tournes. Inspire, reviens vers l'avant et viens ouvrir la jambe droite sur le côté. Le pied gauche reste à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, ouvre le bras gauche vers le côté. Expire, viens te pencher sur le côté. Inspire, reviens et on change de côté tout doucement. Le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. La jambe qui s'ouvre et on vient sur le côté. Peut-être que tu regardes sous ton aisselle droite. Le buste vraiment qui tourne, l'épaule qui s'ouvre. Inspire, doucement remonte. Et on va venir ramener les deux jambes, les écarter des deux côtés et ramener les mains vers l'arrière. Les pouces vont venir se coller aux fesses et on ouvre le buste vers l'avant, on bombe la poitrine. Les jambes écartées, si besoin les genoux un petit peu pliés, on respire. Le menton vers le cou, on rapproche les omoplates dans le dos et on les descend vers les reins.
grand étirement du dos, ça doit tirer vraiment dans le dos. On prend encore trois profondes respirations ici. Encore une dernière. Doucement, relâche les bras. On garde les jambes écartées telles qu'elles sont. On vient ramener les coudes devant soi. Le coude droit vient au-dessus du coude gauche. On monte les coudes à hauteur des épaules. On entortille les bras et les mains. Si ce n'est pas possible, garde juste les deux derrière des mains l'un contre l'autre. Sinon, tu ramènes les paumes de main l'une avec l'autre. On va serrer les coudes l'un contre l'autre ici. Pousser les coudes vers l'avant et les monter. On respire. Le menton vers le cou. Et on se grandit, on pousse le crâne vers le plafond, on prend trois respirations de plus. Si tu pousses bien tes coudes vers l'avant et vers le haut, ça doit tirer dans le haut du dos. On vient étirer vraiment le haut du dos. On vient recréer de l'espace entre les omoplates. Une dernière. Regarde vers tes mains et doucement lève les coudes. Et redescends, détache doucement ici, relâche un petit peu les épaules et on vient faire l'inverse. On ramène les coudes devant, cette fois-ci c'est le coude gauche qui vient au-dessus du droit. On monte les coudes à hauteur des épaules, on entortille les bras et les mains. On pousse le crâne vers le ciel, on ferme les yeux, menton vers le cou et on pousse les coudes vers l'avant et légèrement vers le haut. On relâche bien les épaules, on continue à garder les coudes à hauteur des épaules. C'est intense, encore deux. Puis on ouvre les yeux, on regarde vers les mains, on lève légèrement les coudes et le regard. On continue à pousser les coudes vers l'avant. Et doucement, on détache, on relâche, on ramène les mains sur ses jambes. N'hésite pas à les plier si ça fait mal. Puis on ramène le menton vers le cou, on vient faire un demi-cercle vers la droite. Et on revient vers le centre, le menton vers le cou, on inspire, demi-cercle à gauche. Et on revient vers le bas. On fait un quart de cercle vers la droite, on ramène l'oreille vers l'épaule droite. Et on vient écarter la main gauche vers le côté. On tend bien le bras, on étire, on sent l'étirement du cou. Doucement, on ramène le menton vers le cou et on inverse. Quart de cercle vers la gauche, l'oreille vers l'épaule. Et on oriente le bras droit vers le côté. On éloigne au maximum la main, on tend bien le bras pour sentir que ça étire vraiment le cou. Et le bras. Doucement, ramène le menton vers le cou, puis la tête au centre. On vient plier les genoux. On va venir ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. On vient faire un grand diamant. Ça soulage quand on sort du grand écart. On n'hésite pas à soulever légèrement la chair des fesses. On a vraiment un grand diamant. Il doit y avoir au moins trois mains entre le pubis et les pieds, et doucement on laisse le dos s'enrouler, les mains se positionnent autour des pieds, et la tête s'enroule vers le sol. On arrondit le dos, on relâche toutes les tensions, si le front vient jusqu'au sol, on le laisse se poser. On respire profondément, les mâchoires sont complètement détendues, tous les muscles du visage sont détendus. Tout doucement, on déroule, vertèbre par vertèbre, le menton reste connecté au cou, la nuque déroule en dernier, on ramène les pieds le plus proche possible de son pubis, bon, vraiment très très haut, et on refait pareil, on enroule les mains sur les pieds, et le front qui vient en direction du sol. On relâche complètement la nuque,
que vous ramenez les pieds vers vous, plus ça va venir tirer dans le psoas. Tu dois le sentir vraiment des deux côtés du bassin. Laisse la tête vraiment pendre. Encore 3 respirations. À nouveau, tout doucement déroule. Reviens chercher un tailleur qui est confortable. Les mains à nouveau sur les genoux. Ferme les yeux ou garde-les fermés. S'ils étaient fermés, prends juste un instant ici. On reprend 3 respirations nettoyantes. Inspire par le nez. Expire fort par la bouche. Encore 2. Une dernière. Reste ici, la bouche fermée, la respiration calme, l'esprit posé un petit peu plus longtemps. Enchaîne si tu le souhaites avec une séance de méditation ici. Maintenant que les tensions du corps sont déliées, ou si tu le souhaites, tout doucement, rouvre les yeux pour te reconnecter à ton environnement et réintégrer le cours de ta journée. Namaste.